Bonjour, c'est Nanou Discrap. J'espère que vous allez bien. Je viens vous présenter un haul. Donc, pour commencer, je vais vous présenter les petits cadeaux de Brigitte. En fait, ce ne sont pas des petits cadeaux, ce sont des énormes cadeaux parce qu'elle m'a vraiment bien gâtée. Donc, nous allons commencer par le papier. Dans mon colis, j'ai eu la surprise d'avoir ce papier-là. Donc voilà, ce sont des petites enveloppes à faire vous-même hein, et à mettre dans les albums sur le thème de la mer. Je le trouve super joli. Voilà, très vintage. J'ai oublié de vous dire que si la caméra tremble, c'est parce que j'ai ma licorne avec moi qui va m'assister. Donc voilà, pas de souci pour le tremblement de la caméra. J'avais ce papier-là aussi que je trouve très 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 joli. Alors, c'est des étiquettes, hein. Voilà. Alors, c'est la collection Vintage Love de chez AB Studio. Le papier est plutôt sympa, de bonne qualité. J'aime beaucoup leur design, mais comme vous savez, on ne peut pas tout acheter, hein. Sinon, voilà. Oh, ce papier, il est magnifique. Avec les petits mots, les petites étiquettes, le côté baroque sur la page et l'effet craquelé, bois, les ailes d'ange. J'aime beaucoup parce que c'est un style, pour moi, c'est le style baroque gothique, j'aime beaucoup. Et tout est mélangé en fait. Il y a un peu de lettnique aussi puisqu'on retrouve les plumes. Ouais, j'aime beaucoup. Voilà, ça c'est la collection, par contre, toujours de chez AB Studio et c'est la collection Wonderland. Très 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 joli papier. L'autre côté baroque avec des écritures. Alors vous avez tout mélangé, hein, les petites coutures. C'est très très joli. Voilà pour la collection AB. J'ai eu aussi une feuille de riz de chez Stamperia. Je voulais la commander, puis finalement elle a été plus rapide que moi. Donc voilà, merci Brigitte. Hein, si tu passes par là, merci beaucoup. Donc c'est le papier de riz de chez Stamperia, la feuille fait 21 par 29 et c'est la référence DFSA 4168 pour celles que ça intéresse. Voilà. Ensuite, nous allons toujours continuer dans le papier. Elle m'a mis des papiers de la collection. Je les trouve super. Les couleurs. Ça donne envie de partir. Hein. Dans 2 mois, c'est les vacances. On a envie de partir tout de suite quand on voit les couleurs. Donc, c'est de la marque toujours Minte by Carola. Donc, ça, c'est la collection Paradise. Et c'est sur le thème tropical. Donc, là, sur le thème tropical et plage, beach, avec les petits appareils photo Polaroid qu'on retrouve un peu partout. Là, c'est le sable avec la mer. Voilà, la collection, c'est, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est la collection Paradise. Donc là, et le papier, il est super beau. Pouh. Oh là là. Oh, regardez celle-ci. Oh là là, le papier, il est vraiment magnifique. Hein. On est dans les tons rose, mint, beige. Il est vraiment beau, hein, ce papier. Hein. Derrière, c'est des petits zigzags, enfin des chevrons, je pense que c'est comme ça qu'on appelle. Alors les petites cabanes de plage, j'adore, je suis fan. Avec le petit perroquet, la méduse, enfin c'est pas une méduse, ça c'est quoi? C'est une pieuvre ou une méduse? Une méduse, le goéland, les fleurs d'hibiscus, oh là là, c'est très très joli. Ça donne envie de voyager. Pareil, hop, sur la plage avec Transat. Ouais, c'est ça. Magnifique. Et puis, bien sûr, Carola vous met toujours les petites étiquettes. Alors, j'ai pas ma règle avec moi, mais ça fait la taille à peu près d'une ATC. Hein, c'est des petites étiquettes assez sympathiques. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire un tuto sur un. Pour fabriquer un mini album pour ranger justement tout ce qui est ATC et petites cartes de visite de cette taille-là avec ce genre avec ce genre d'étiquette parce que bien souvent on ne sait pas trop quoi en faire
dans les papiers et ça traîne. Alors, bah moi, j'ai trouvé une solution. Donc, voilà. Je vous montrerai ça. Et puis, vous avez toujours une planche de découpe. Alors, bien sûr, le Polaroid est trop chou. En plus, il y a bien marqué Instax, la pub. Bravo. Voilà, ça fait de la pub pour Instax. Hein, C'est très, très joli. J'aime beaucoup. Voilà. Après, elle m'a aussi mis Texon Dreamer. Et les couleurs, elles sont tout juste. Oh, elles sont trop douces, les couleurs. Vous savez, les couleurs mauve, lavande. Oh, c'est trop joli, hein. J'aime beaucoup. Le papier est très, très, très joli, hein. Franchement, derrière, et derrière, vous avez déjà vu? Ça fait comme un tricot. Ça fait comme des mailles tricotées. C'est très joli, c'est original. Très, très joli. Alors là, vous avez la grande fenêtre avec les petits nichoirs pour oiseaux. Les petites ombrelles, elles sont sympas. Petites ombrelles, elles sont sympas. Vous avez des petites bannières là. Très très joli. Oh là 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 là, c'est juste une tuerie ce papier. Oh là aussi, j'adore. Alors, j'ai pas trop compris, mais c'est quoi le truc? Ah oui, bon, bah, en fait, je sais pas. La page, elle est. C'est original, hein, ces motifs. J'ai cru que la page était inversée, mais non. Très très joli, hein. Et là, vous êtes dans les nuages. Allez. Oh, les fleurs, elles sont belles. Les couleurs sont vraiment magnifiques. J'aime beaucoup. On ne se rend pas compte quand on regarde. Et là, vous avez pareil, le tricot en rose. L'autre, c'était bleu, c'est ça. Hein? Ouais, oh là là. Sympa, hein? Sympa, sympa. Et là, vous avez plein de petits oiseaux avec des plumes, des petits papillons. Très, très joli. Et derrière, nous repartons dans les nuages. Et toujours ces petites cartes, je les trouve sublimes. Ils sont sympas derrière aussi. Hein. Mais là, les cartes, pour le coup, c'est trop beau. Hein. Couleur lavande. Ah, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc voilà pour. Et puis j'ai une feuille à découper. Hein. Vous avez des persiennes avec une petite fenêtre. La petite valisette, là, si elle n'est pas trop mignonne. Hein, c'est trop mignon, les petites ombrelles, juste ici, là. C'est très très joli. Merci Brigitte, merci, 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 merci. Donc, Brigitte a fait elle-même ses papiers, donc sa collection, qu'elle imprime elle-même à Motoban, donc c'est 100% français. C'est elle qui crée ses pages en plus. Donc, moi je trouve que c'est super sympathique. Donc, vous avez l'effet bois, vous savez, les effets comme si vous étiez sur un ponton, et là vous avez le côté rouille du bateau cargo. Après, là vous avez la carte, une carte, voilà. Ici, vous avez le bateau avec les palmiers, la petite antillaise, elle est super mignonne. Ah, j'aime beaucoup. Ouais. Et derrière, c'est. Alors, on va dire que c'est un aspect bambou. Comme vous savez, les persiennes, enfin, les espèces de rouleaux qui font office de. Comment, pas de volet, mais. Enfin, voilà, vous m'avez compris, je pense. Sur un aspect dentelle. C'est très, très joli. Je vous montrerai la collection entièrement tout à l'heure parce que j'ai pris le papier. Hein, je l'ai trouvé tellement sympa que je ne voulais pas la louper. Et puis ça, c'est des petits cadeaux qu'elle m'a offerts. Hein, donc, c'est des petites étiquettes avec salsa, le petit mot pour marquer des. Le petit colibri. Les petites étiquettes pour marquer des souvenirs, enfin des choses. La plage, la carte. Donc c'est. C'est les Antilles, hein, c'est la carte des Antilles, hein, dans l'océan Atlantique. Donc, oh, c'est super. Là, vous avez la petite page que je vous ai montrée en grand. C'est vraiment sympathique. Voilà, ça, c'est des cadeaux, hein, qu'elle m'a offert.
Là, le bois, alors ça fait un peu, je sais pas si vous avez déjà vu des cocotiers, mais ça fait un peu, les troncs des cocotiers sont exactement pareils, donc ça fait ça. Là, vous avez la carte des Antilles, et là, vous avez une maison typiquement antillaise. Vous trouvez toujours ce genre de maison là-bas aux Antilles. Puis les couleurs derrière, c'est bien les couleurs antillaises. J'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Elle m'a offert, je pense que c'est Tipiak. Je pense que c'est, oui, voilà, c'est Tipiak. Non, mais allô. Non, c'est pas Tipiak, c'est Piatek. Excusez-moi. Je suis partie dans mes, je sais pas pourquoi, Tipiak. Je sais pas. Enfin, bref, vous me pardonnerez. Donc, voilà, c'est des étiquettes de chez Piatek offertes. Donc avec des petits mots, Hello Beautiful, Create on the World Fun. Là c'est quoi? C'est Hello Summer. Celle-ci, là je vais pas vous lire parce que j'ai un anglais. Je préfère éviter. Voilà. Have Beautiful Day. Voilà. C'est très 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 My Happy Place. Ouais, pas peur. Voilà, les petites étiquettes sympas que vous pouvez caler dans n'importe quel album. Elle m'a fait une découpe d'un dies qui vient d'arriver en boutique. Donc, moi, j'en ai pris un autre, mais celui-là est disponible en boutique. C'est le grand portail. Il est assez sympa. C'est les dies de Spindler. J'arrive pas à dire. Bon, attendez, je vais vous dire ça. C'est la marque. Spenbenders. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Voilà. Ils sont en boutique. Il est très très joli. J'aime beaucoup. Et moi, je le verrais bien. Enfin, je le vois bien dans une couverture d'album, de mini-album. Voilà. Ça, c'est pareil, cadeau de Brigitte. Elle m'a offert aussi une petite colle Takiglu. Donc, moi, j'ai utilisé la colle. Une colle que j'avais trouvée dans un magasin russe. Et du coup, voilà, ça, celle-là, je l'ai essayée cet après-midi et je valide. Elle est très très bien. Et en plus, la sortie est très très fine. Donc voilà. Elle m'a offert des petites fleurs que j'avais déjà prises en boutique. Mais voilà, c'est toujours indispensable les fleurs. Donc ça sert toujours. Et aussi, elle m'a offert ce tampon. Alors ça, c'est toujours pareil, le tampon 9 pièces hein, de chez, que je ne me trompe pas, que je vous dis ça, Piatek, hein, pas Tipiak, mais Piatek. Voilà, c'est la collection Sunshine et elles sont sympas, les petites valisettes, c'est très bien pour faire un mini-album de vacances. Et pour tout vous dire, j'ai pris le papier qui va avec et le papier est plutôt sympathique. Donc là, vous avez... des feuillages comme une vous pouvez vous servir des deux côtés hein. Il n'y a pas de gâchis hein. Voilà donc là vous avez des feuillages là vous avez un ton hein. Alors je sais pas si on voit très bien mais c'est comme des chevrons jaunes là vous avez des lunettes là c'est des motifs un peu ethniques hein. Je sais pas si vous voyez bien avec des superbes fleurs et les couleurs elles sont. Et là, ça, c'est vraiment les couleurs d'été, hein. Orange, rose, vert. Donc là, vous avez du blanc à petits pois. Là, vous avez des citronniers avec des cercles. Là, c'est des feuilles. Ah non, c'est même pas des feuillages. C'est un peu. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. C'est vert, pastel. Les couleurs sont pastel. Les couleurs là sont magnifiques. Oh, j'adore. Et les petites valises. Sympathique, hein, les petites valises. Là, c'est en fait, c'est pas blanc. Je sais pas si on voit. C'est fait comme la petite feuille. Non, vous n'allez pas voir. C'est vraiment très, très, très fin. En fait, c'est le même que celui-ci, mais en blanc. Voilà, c'est le même que celui-ci, mais en blanc. Donc, c'est compliqué à voir à la caméra. Franchement, j'arrive pas à vous montrer. Et puis là, on retombe dans les mêmes papiers. Très 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 joli ce papier, j'aime beaucoup. Alors du coup, c'est du papier de chez Piatek, hein, la collection Sunshine. Il y a 24 pages,
dont deux bonus. Ouais, je pense que les bonus cover, je crois que c'est la couverture, donc c'est ça les bonus en fait. Les bonus, c'est les dégradés de couleurs qu'on peut retrouver. Ah oui, voilà, il y a une planche d'étiquette à découper. Ah ouais, sympa. Ouais, ça peut le faire, ça. Elle est superbe, elles sont superbes, ces petites filles. J'adore. Ah ouais, sympa, sympa, sympa. C'est bien d'y avoir pensé. Donc voilà pour la collection Sunshine de chez Piatek. Qu'est-ce que j'ai encore de chez Piatek? C'est tout. Je continue dans le papier, hein, évidemment. J'ai repris le 13 Arts Amour sur le thème de Paris. Alors là, ce papier. Bon, ça, on voit partout. On voit partout. On ne va pas s'arrêter là. Donc, ce n'est pas du papier recto verso. Là, c'est des effets bois rose, bois blanc. Alors, on voit un peu partout. Celui-là. Mais alors là, ça, c'est typiquement très. En fait, ça fait très shabby. Voilà, c'est très Paris. Ça, c'est ce qu'on peut retrouver dans le style de shabby vintage chez Paris. Hein, le papier, je sais pas si on voit bien, je fais de l'ombre. J'ai pas trop de lumière parce que c'est le soir. Les couleurs pastel comme ça. Après, on retrouve voilà le côté. C'est très sympa. Des petites étiquettes à découper. Et c'est tout. Voilà. Mais bon, j'ai ma petite idée de ce que je vais faire avec celui-là. J'ai aussi, ça c'est les nouveaux papiers qui sont arrivés à la boutique de chez DK. Donc ça, c'est le thème vintage Paris. C'est celui-là. Je pense que, si je ne me trompe pas, Brigitte a fait déjà une vidéo sur le papier. Donc on va aller très très vite. Il est tout juste magnifique. En plus, les textes sont en français. Et ça, c'est très 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 appréciable. Donc voilà. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de papier. Là, c'est noir avec des petits motifs. Là, vous avez un couple. Voilà. Les clés. Les petites horloges. Le papier est très shabby. Là aussi, vous retrouvez du papier shabby. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de papier shabby comme ça. Donc voilà, ça c'est le côté très très shabby de la collection. J'ai pas de lumière et ça m'embête. Voilà, très shabby aussi. Regardez, là vous avez des petites étiquettes. J'adore les petites étiquettes à découper. Oh, c'est sympa ça. Ah, vous avez. Donc là, vous avez un espèce de bordeaux avec des petites écritures, des petits papillons avec des écritures aussi. Vous pouvez découper les petites étiquettes avec papier Vichy bleu clair. Ah là, c'est du pied de poule gris. Ah, c'est très Paris, hein. Voilà, les petites bonnes femmes vintage. Voilà, puis on retombe dans les papiers. Regardez si c'est pas joli ça. C'est le même papier, hein. Je crois qu'il y a plusieurs papiers du même. Donc normalement, que je vous dise pas de bêtises, il y a 24 feuilles. Donc c'est un format 20 par 20. Voilà. Voilà. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous avez 12. Vous avez 12, comment on va dire, 12 graphismes et donc par deux, hein, vous avez deux pages de chaque. Voilà pour la collection Vintage Paris de chez DK. Et là, on va passer dans la collection ben, Flore. Pareil, hein, c'est un peu le style vintage. Il est super beau celui-là. Donc il y a des petits papillons à découper, des petites étiquettes. Et là, on retrouve, c'est trop joli. Hein. Toujours hein, le papier vintage. Très, très joli. J'adore. Oh, regardez celui-là. Oh là là, avec les petits oiseaux.
Donc c'est toujours sur le thème de Paris, hein, je suppose. Hein, on retrouve la bicyclette. Par contre, les mots sont pas en français, bizarrement. C'est plus en espagnol, amour. Alors, attendez, tio. Villa, ouais, je crois que c'est de l'espagnol. Hein. Je sais pas. Mi amor. Oui, c'est espagnol, ça. Hein. Ouais, c'est... Mi amor. Oui, c'est espagnol, je crois. Ou italien, je sais plus. Gracias. Eh oui, c'est espagnol. Gracias. Oui, c'est espagnol. Donc, je ne me trompais pas, c'est espagnol. Vous avez une planche à découper. Des petites fleurs. Bah, vous avez des mots en français aussi, parce que là, il y a marqué Avenue Printemps. Et c'est les rues. Oh là là, c'est joli, toutes ces petites étiquettes. Les fleurs, j'adore, elles sont super belles, ces pivoines. Ouais, les textes maison de fleurs. C'est très joli. Donc pareil, hein, vous avez deux feuilles de chaque. Voilà. Pour cette collection très shabby. Je voulais pas m'en priver. Hein. Il y a d'autres collections dans la boutique pour les bébés. Pour celles qui veulent faire des albums bébés, le papier est tout juste au top pour faire des albums bébés. Il y a garçons et filles, et il y en a un autre aussi. Voilà, c'est pareil, hein, c'est ce que je vous dis. Je n'ai pas pu tout prendre, mais il y a vraiment de très très jolis papiers en ce moment dans la boutique. Ensuite, on va continuer avec des nouveaux papiers aussi qui sont arrivés, une nouvelle marque qui est arrivée dans la boutique. Donc, c'est que je ne me trompe pas, c'est la marque. Je crois que c'est la Bichabi. Attends, attendez, que je vous dise pas de bêtises. Non, c'est pas la marque, ça. Si, c'est la marque Bichabi. Donc voilà, on va commencer par celle-ci. Ah, excusez-moi, j'ai pas préparé. Hein. On va le faire ensemble. Hop. Et alors, celle-ci, c'est moi tout craché. Je voulais essayer quelque chose et celle-ci, c'est la collection Sherlock Holmes. Je trouvais que les couleurs elles étaient un peu masculines. Donc, pour faire un petit truc assez masculin. Donc, là, vous avez, je sais pas si on voit bien. Donc, là, ce sont des loupes avec des clés et des petites montres, des nœuds papillons. Pour moi, c'est masculin. Donc, voilà, vous avez. Le papier qui est très très joli. Après, bon, moi je trouve que ça fait aussi un peu londonien, mais pas avec les couleurs, vous savez, bleu, rouge, blanc. Mais voilà, ça fait un peu style anglais, on va dire. Voilà. Donc, oh, le papier est tout juste magnifique là, hein, vous avez vu. Moi j'aime beaucoup. Petite tête de mort là, pistolet. On est oh, l'effet bois aussi est sympathique avec des équations. Hein, là, ça fait un peu plus romantique. Donc, ouais, Sherlock Holmes, ça fait un peu comme si vous étiez en train de faire une enquête. Ah, c'est sympathique. Ça change. C'est un thème, c'est encore un autre thème. Voilà. Oh, le papier, vous voyez, c'est ce que je vous disais, ça fait vraiment londonien. Mais je trouve que ça fait plus style anglais que. Voilà, vous avez des images à découper. Là, c'est sympathique aussi. C'est assez fin, enfin, c'est vintage, très doux, vintage. Encore des images à découper avec la cabine londonienne, le petit taxi. Ouais, il y a plein de choses. Voilà. Donc voici pour la collection Sherlock Holmes. J'avais envie de changer. Donc j'ai pas encore d'idée bah, pour ce papier, mais alors moi tout ce qui sort de l'ordinaire, j'aime bien. J'ai cogité, hein, j'ai bien trouvé un truc à faire avec ça. Hein, ça. Voilà. Ah, voilà. Donc on verra bien ce que je vais pouvoir. Avec ce
papier. Donc, je vous répète, c'est la marque By Shabby, c'est la collection Sherlock Holmes. Et si je ne me trompe pas, il y a 8 feuilles. Voilà. Avec des feuilles à découper. Après, toujours dans la collection By Shabby, j'ai pris la collection Marc Gardening. Donc, là aussi, j'ai... Les couleurs, ça sort de l'ordinaire. C'est des couleurs, pour moi, qui sont assez vives, qui font un peu... Enfin, qui sont très printanières. Et puis, j'avais envie de changer aussi, pareil, ce style de... Voilà, de papier qu'on voit régulièrement. Donc là, vous avez vu, les couleurs sont superbes. Hein, et c'est vraiment printanier. Et ça fait aussi province... Ça fait province, donc j'avais envie, ça fait très nature, j'avais envie de, voilà, c'est à petites étiquettes à découper, on reste toujours dans la province avec les petites lavandes, le petit chapeau de paille, la petite clairière avec l'arbre, voilà, c'est, les couleurs, elles sont sublimes, effet bois avec les tournesols, là, des tournesols. Là, c'est des dégradés de pastel avec des jolies fleurs. La petite bicyclette. Ah, j'ai pas montré celle-là. Pareil, idem ici. Très, très jolie. Là, ben, voilà. Les champs. Ouais, ça fait vraiment jardin. Là, pareil. C'est très, très joli. Là, il y a de quoi faire aussi. Hein. Là, ça, c'est moi, pour moi, c'est l'idéal pour faire un mini album et puis y mettre ce que vous avez. Si vous avez un jardin, y mettre tout ce que vous avez planté pour cet été ou pour ce printemps. Ou, et voilà, mettre des petites photos de vos fleurs qu'on fleurit, des petits oiseaux dans les arbres. Enfin, y a plein de choses. Hein, c'est des étiquettes, des planches à découper, ça. Enfin, le papier est assez riche pour faire quelque chose de très sympathique. Puis même des cartes, hein, des cartes pour les gens qui aiment bien jardiner. Il y en a, c'est leur passion. Donc, nous, c'est le scrap. Et ben il y en a, c'est le jardinage. Donc, je pense qu'une petite carte sur le thème de du jardin, ça fait toujours plaisir. Voilà. Raconte un peu ma vie, mais bon, c'est pour vous donner des idées aussi. Hein. Faites ce que vous voulez avec le papier. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui, j'ai pris cette collection aussi de chez AB que j'aime beaucoup parce que j'aime bien le style steampunk et shabby en même temps. Et c'est pas facile, évident, à trouver des papiers comme ça. Et celui-là est très joli parce que les couleurs restent douces. Et donc là, vous avez 16 designs avec une planche de bonus. Et c'est la collection Dreamlang. Donc là, voilà, vous avez une feuille à découper avec des plumes, des fleurs. Vous avez des chaînettes, des horloges, des engrenages, petit oiseau. On reconnaît alors le côté un peu shabby et le steampunk. Regardez celle-là, elle est magnifique. Hein. Les couleurs, elles sont très très jolies. Hein. Après, là, vous avez du noir. Ah, ça ressemble un peu à ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. De toute manière, c'est la même collection. Là, c'est des pièces à découper. Là, pareil, steampunk, musical. C'est vraiment très très joli. Hein. Je ne sais pas, mais vous, mais moi, je trouve ça très très joli. Des grands papillons. Ah, les papillons. J'adore les papillons. Donc, là, vous avez 4 cartes. Idéal pour faire une couverture. Là aussi, hein, c'est joli. Hein. Oh là là. Donc là aussi. Là, vous avez plein de tags à découper. Ça, c'est bien. Là, c'est pareil. Les couleurs restent neutres sans être agressifs et restent neutres. Donc, j'aime beaucoup... C'est voilà, là vous avez des étiquettes sympas.
Voilà pour cette collection Dreamland de chez AB Studio. Et puis pour finir, je vais vous présenter aussi la collection de la boutique Scrap Merveilleux que j'adore. Les couleurs, on a envie de partir. Regardez déjà celle-là. Ah, j'adore les couleurs antillaises, les tissus antillaises, ça j'adore. C'est très sympa. C'est des gens tellement chaleureux en plus. Alors, je vous remontre la photo qu'elle m'avait déjà donnée. De l'autre côté, on a vu aussi l'effet bois. Là aussi, encore l'effet bois avec les barques, les palmiers, c'est la mer. Les couleurs, genre, je ne sais pas si ça donne bien à la caméra, mais les couleurs, elles sont très colorées. Regardez si celle-là, elle n'est pas sympathique, elle n'est pas belle. J'adore. Hop, les palmiers. La planche d'étiquettes. L'effet bois. Encore des étiquettes. Là, l'effet rouillé. Les maisons typiquement antillaise, puis le côté créole, enfin le tissu créole, hein. Je sais pas si on voit là sur, il n'y a pas un exemple, je pense pas que, non là, là des fleurs, est-ce que sur une autre, normalement, enfin elles ont, voilà, là on voit pas très bien, mais dans les cheveux, vous voyez le bandeau, il est comme ça. Voilà, pour les couleurs. Alors, dedans, évidemment, vous avez des mots pour coller sur vos pages. Donc, c'est quand même une... Je ne sais plus, il y a 6 pages, je crois. 2, 4, 6... Ouais, il y a 6 pages recto verso, plus une planche à découper. Alors, c'est déjà pas mal. Et le papier est vraiment sublime. Donc... Brigitte fait elle-même ses papiers, hein, celle qui les crée, et elle les imprime directement à mot tombant. Donc ça fait du papier 100% français. Ça c'est bien. Voilà, pour l'économie française. Je favorise l'économie française. Voilà pour le papier. Ensuite, nous allons passer... aux embellissements. Alors ça aussi, Brigitte a dû vous montrer en présentation dans la boutique les nouveaux embellissements en métal. Attendez que je retrouve, parce que là j'ai tout sorti mes papiers. Hop, voilà mes embellissements en métal. J'ai pris ces embellissements et c'est vraiment des superbes embellissements de qualité. Ils sont grands en plus, hein. Ils sont super grands. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris ces dies-ci. Donc, c'est une licorne. Une licorne, n'importe quoi. C'est un... Comment ça s'appelle? J'ai un trou. Un hippocampe? Ouais, un hippocampe. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Voilà, c'est la marque Papercraft de chez Gemini. Donc voilà, hein, c'est très joli. Et puis je le verrai bien dans l'album tropical, tout ce qui est tropical. Alors ça passe partout. Ouais. Après, j'ai repris ce grand dice que... Voilà, je le voulais celui-ci, c'est pour faire ça. Hein, comment on appelle ça, je sais pas comment on appelle ça, une ombrelle, ou non, c'est pas une ombrelle, enfin, vous savez, c'est les trucs pour faire passer les fleurs, je sais pas comment on appelle ça, et ça s'appelle le grand cabaret 3D, donc, il y a 6 pièces, hein, voilà, pareil, ça, quand j'en aurai fait un, je vous montrerai, et pareil, je le vois bien avec les papiers vintage de chez Deka, pareil en fond, hein, qui me voilà.
J'ai pris une perforatrice, donc voilà, c'est une juste pour les ongles. La marque, je sais pas, j'ai retiré l'emballage. Mais bon, voilà, c'est pour les ongles. J'ai pris le carnet de voyage, hein, c'est dessus que je vais toujours de chez Tipec. Là, celui-là, je vais le customiser. Hein. Voilà, j'ai repris de la dentelle rose bonbon. Non, j'ai pas repris. J'ai pris les moules de chez Stamperia, les petits engrenages, pendules, tout ça. Parce que quand j'ai voulu les prendre, ils étaient en rupture. Et là, Brigitte les a de nouveau en boutique. Donc, j'ai sauté dessus. Voilà. J'ai repris les papillons. Ça, j'ai repris. J'avais déjà pris, si vous regardez dans mes autres hauls, j'avais déjà pris ces papillons-là. Ils sont super jolis. Et sympa à travailler, vous pouvez rajouter de la paillette et tout, c'est très 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 sympa à travailler. J'ai repris du ruban en satin, parce que j'avais pris le saumon, j'avais pris le couleur lavande, et là j'ai pris le rose. Voilà, donc vous avez plusieurs tailles, donc vous avez 1 cm, 1,5 cm et 2 cm, et vous avez 3 mètres de chat, donc il y a de quoi faire. Et j'ai repris ce ruban-ci. Alors, je ne sais pas si on voit à la caméra. Hein? Il a des petits fils dorés. Enfin, c'est pas doré. Je ne sais pas comment on appelle. Hologramme. C'est un peu hologramme. Donc, voilà. Pour cette commande et mes produits d'été. Je voulais vous dire aussi que toujours avec le code Nanouti, vous avez 10% sur la boutique. Je vous mettrai le lien de la boutique. Je pense que voilà, après vous irez vous balader. Il y a plein de superbes choses. Il y a des nouveaux papiers de chez Graphique 45 qui vont arriver. J'en ai commandé, mais on en attend encore. Il y a plein de nouveautés dans la boutique, je ne peux pas tout vous dire parce qu'il y a tellement de belles choses que il y a les dies, il y a des dies qui sont arrivés, il y a quoi qu'elle m'a dit qu'elle allait rentrer, il y a plein de jolies choses qui vont rentrer, ah il y a les nouvelles collections de chez Stamperia et Ciao Bella qui vont aussi arriver, donc voilà, ça aussi j'attends avec impatience tous ces produits-là, et puis écoutez, c'est tout, hein. Je pense ne rien avoir oublié. Je vais vous laisser et puis je vous dis à bientôt pour peut-être une création. Et je voulais vous dire aussi que je suis désolée de ne pas être aussi présente sur ma chaîne. J'ai un travail qui me prend beaucoup de temps, donc je ne peux pas. Voilà, c'est compliqué pour filmer quand je peux filmer, il fait nuit, donc je préfère avoir la lumière du jour. Et puis, il faut avoir le temps de faire une création en entier. C'est surtout ça. Donc, c'est pas grave. De toute manière, on va y arriver. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous de moi.